Alors, alors, on va pouvoir commencer. Ah, oui.
La bonne douille là qu'on va se taper. Pour plus tard. Oh putain, le bâtard! Du calme. Oh là là, mais il y en a partout! Au secours! Ma pauvre bête, elle s'est fait défoncer la gueule. Oublie-moi. Qui continuerait. Mais non! Non, mais t'es sérieux? Putain! Au secours! Oh, comment ça va passer loin? Oh. Voilà qu'il me chasse. Cassez-vous. Casse-toi. Perfetto. Allez, cassez-vous. Viens par là, toi. Allez, viens, je vais te faire ta fesse. Parce que bon, tu as l'air de vouloir rester. Mais c'est pas vrai! Mais comment j'ai pas de chat, putain! Comment j'ai pas de chat? Je dois être hors de danger.
ça le tue pas? Ça, c'était pas prévu du tout. C'est ça, cassez-vous, cassez-vous. C'est pas qu'ils vont me pulvériser la gueule si jamais. Mais si en fait. Je peux pas y aller de front. Et ça recommence. Il m'a vu ce petit con. Ouf. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Je peux pas les affronter de face. Ouais, ça fait mal au cul, ouais. Ah ouais, mais il me one shot, hein. Je suis en mode dur, je suis en mode ultra difficile. Enfin, je suis à un niveau de difficulté du max. D'où la... Casse-toi! Il a écrasé un lapin au passage, il est sympa. Allez. La question c'est, est-ce que ça va suffire ce truc? Est-ce que ça va suffire? Putain, ça suffit pas. Sa mère. Ah, ça me fait chier. Cool. Ouais, mais il en reste 4 à tuer pour vider la zone en fait. Parce que c'est une zone corrompue et ils sont tous corrompus là, ces enfoirés. «
Parfait, ils repartent. Non, 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 des petits comme ça là. Enfin, des petits. Des mecs qui peuvent me transporter à la base, mais comme ils sont corrompus, je dois que les tuer. Putain de merde, il est buggé. Et merde! J'étais trop gourmand. Ah, oh, mais ça me fuck tout ça! Ça me fuck tout! Je peux pas la faire maintenant, j'ai pas le. J'ai plus de quoi la faire. J'ai plus de quoi la faire. Je peux plus crafter de pièges et j'ai pas assez de pièges pour le faire. Ah, fait chier. Bon, ben on la fera plus tard, hein, on la fera à un autre moment et il faudra que je fasse la zone ici plus tard. Bon, ben tant pis. Non, je veux pas faire le hunting ground. Bon, on va continuer les quêtes. Daughter Vengeance, c'est ça? C'est dommage. Je reviendrai plus tard. Pas trop le choix, malheureusement. Ça doit être la couronne de la mer. Soleil ne devrait pas être loin. Il y a une nouvelle quête derrière. Tu es Solai? Yann m'a dit que ta nièce était peut-être venue. Nakoa. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Écoute, je veux vous aider. Je suis une chercheuse, je vais au nord. Yann m'a demandé de la retrouver. Ce que tu diras restera entre nous. Je lui ai donné des vivres pour son voyage. Elle allait au rempart vers le nord pour chercher Zaïd. Je n'ai pas réussi à l'en dissuader. Ok, vous pouvez l'arrêter. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur le rempart ? C'est une forteresse Karja, à la frontière. Elle a aidé une prêtre. C'est là que ces barbares parquaient les prisonniers Nora, avant de les envoyer et de les sacrifier à Méridian. J'ai voulu empêcher Nakoa d'y aller. Trop dangereux pour une Nora seule. Mais elle était décidée. Elle ne vit que pour retrouver ce Zaïd. Qu'est-ce que tu sais de Zaïd ? C'est une prêtre enragée, un assassin. Le pire chef des Raids Rouges. Il a abattu mon frère sous les yeux de Nakoa caché dans l'ombre. Je l'ai supplié de ne pas y aller. Mais une partie de moi la soutient. Moi aussi, je souhaite la mort de Zaïd. Tu ne peux pas t'imaginer ma souffrance. Il a mutilé mon frère. Mais il est toujours libre de ses faits et gestes. Si, je comprends. Plus que tu ne le crois. Je chercherai Nakoa quand je serai au rempart. Un connard a tué mon papa et il vit encore. Je te garantis que je comprends. On m'a dit qu'il allait fermer les portes à cause de la corruption qui ronge les machines. Mon papa, je vais le venger. Maria pourra peut-être t'aider. Mais ne lui explique pas tes raisons. Compris. Je dirai rien. Pour que les défenses tiennent. Chef Sona, tu as décidé de renforcer les défenses ? Si la tribu doit affronter une autre attaque du démon de métal, nous devons être préparés. Mais bon, ça ne te concerne pas, tu n'es pas sous mes ordres. Mais ça ne m'empêche pas de vous aider. Très bien. Il nous faut des cornes filantes. Elles font de la givre-lymphe. Et nous avons aussi besoin de leurs lentilles. J'ai de la givre-lymphe. Parfait. Avec la glace et le feu, nous repousserons les machines. Il ne manque plus que la lentille de cornes filantes. On peut en trouver à l'ouest d'ici. Il faut aussi que les tours de guet aient des réserves de flèches d'alerte. Apporte celle-ci à la tour d'Orne au sud. Si tu veux bien. Ok.
Ok, et... Oh là là, faut aller là-bas. Je manque de matos, je manque à mort de matos, c'est insupportable. J'ai pas de thunes, j'ai que dalle. C'est vraiment dur hein, d'arriver à faire du fric et de... Ah, mais j'ai des treasure box. Je pensais pas en avoir autant. Honnêtement, je pensais pas en avoir autant. Sauver un grand nombre de vies. Où est-ce que j'ai un marchand? Il y a un marchand ici. On va aller vendre ce qui sert à rien. Ah, j'espère que tu... Oh, ça fait plaisir. Quelque chose te plaît? Ça fait grave plaisir. Alors, Selling. Cool, 2000 de thunes. Bien. Ça fait déjà un peu plus efficace. Je vais à la frontière. Tu es marchand? Qu'est-ce que tu sais de la tribu Karja ou de leur capitale, Méridian? Je n'ai jamais quitté les terres sacrées, mais je fais affaire avec des étrangers Karja de temps à autre. Ils sont bien trop sophistiqués, à mon avis. Quant à Méridian, ils ne parlent que d'elle, une ville bâtie au sommet d'une mesa. Avec des tours aussi immenses que des montagnes. Comment les Karja ont pu construire de telles merveilles? L'esclavage. Mais leur nouveau roi l'a interdit désormais. Il doit être plus intéressé par la justice que par le bâtiment. Bon, je m'en vais. Merci, moi aussi. Bah non, toi tu restes là. Mais. Ah, apparemment, j'ai récupéré un œil de. J'ai récupéré un œil, apparemment. Donc. Je vais aller lui parler à la meuf, du coup. Puisque j'ai un œil. Je t'ai apporté une lentille de. Je vais l'utiliser pour fabriquer une arme. Les guerriers doivent aussi être de bons artisans. Es-tu passé à la tour de Gaydorn? Tu lui as remis les flèches? Minute papillon. Non, j'en ai pas encore eu le temps. Non, il fallait lui ramener la lentille et livrer des flèches à la tour de garde. Donc là, on va aller livrer les flèches. Combien j'ai de skills? Zéro. Je l'ai bien cherché. J'aurais dû sortir de la ville. Corruption pense nous la Chine comme des entrailles d'un ventre béant. Ça les rend folles.
J'en aurai sûrement besoin. Je l'accueille. Mais pourquoi tu me fais chier? Je fais que passer. Laisse-moi. Oh, c'est pas vrai ça. Ça, j'ai besoin. Cool, 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 cool. Ah, il y a un feu de camp là-bas. Intéressant. Ok. Je suis encore à 125 mètres. Ça va, c'est pas trop loin. Ah ouais, mais il va falloir se calader. Ah, c'était donc ça, ce câble, ça me permet de redescendre. Toi, Horn, tu n'es pas un peu jeune pour être sentinelle? Et toi, alors? Touché. La chef Sona m'a dit de t'apporter ses flèches de feu. Il faut que tu envoies un signal dès que tu vois le moindre truc bizarre. Ça va, je sais, je suis jeune, pas idiot. Ah bon? On dirait pourtant. Si jamais il ton maquillage est moche. Bref, sois prudent. Pardon. Le trajet désolé. Retour, c'est le meilleur. J'ai jugé sur l'apparence de son maquillage moisi. T'imagines si elle sera, t'as envoyé son crochet? Paf! Elle s'écrase par terre. Paf à l'œil. C'est dur, mais j'ai l'habitude. C'est juste une question de bitrude. Ho 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 ho! T'es la peau, dit Renard. Il me faut, dit la peau, dit Renard. Et dit Malou. Après, j'ai aussi fait le choix, et ce qui me complique un peu, de pas partir sur du skill de dommage au départ, mais de partir sur du skill de... Je suis pure récolte là.
Je récupère plus d'ingrédients, je fais plus de trucs, ce qui me permet d'améliorer tout mon matos autour. C'est pas vrai. Cassez-vous. Merci, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Oh merde. Ouais, ça finit toujours par payer de faire de l'économie de first dans ce genre de jeu. Mais ça ralentit un petit peu ton... ta capacité à tuer des mobs, quoi. Oups! Je crois qu'il m'a vu. C'est quoi ça? J'avoue, je compte un peu sur mon skill pour m'en sortir aussi. Pas toujours très efficace mon skill, il faut l'avouer. Bon, c'était un peu présumé de celui-là quand même. Allez, tu vas me servir de transport. Cassez-vous. Vous ne me voyez pas, je n'existe pas. Je peux m'en sortir. Certaines choses nous dépassent. Ça se reproduira plus. Ah, je devrais EP. Quoi? Elle est où? Oh putain, elle est là-haut la conne. Oh. Putain, elle m'envoie faire des trucs et derrière elle m'attend pas en bas, il faut que je me cogne la montée. Elle est sympa la meuf, franchement, elle est sympa quoi. Dire comme si j'avais que ça à foutre. As-tu apporté les flèches d'alerte à Horn? Ouais, ouais. C'est fait. Pouillèche, j'espère ouais. Qu'il n'aura pas à les utiliser. Je l'espère aussi. J'ai beau être chef de guerre, je ne souhaite pas de conflit. Pour l'instant, je ne demande rien d'autre à mes braves que d'être prêt. Merci pour ton aide. Ça... Cool, une générousse. Si notre mère nous envoie une autre tempête, nous ne plierons pas. C'est comme ça qu'on les ramasse, les reward box. Dans ma précédente partie, si tu voyais tout ce qui me reste, j'en avais. Il y a un moment, j'ai commencé à en utiliser. Un moment où il m'en restait une vingtaine en fait. De pages. Pas de boîte, une vingtaine de pages. La neige est glacée par ici.
Ouais, ça fait. C'était un peu. Et mon inventaire était toujours plein en fait. Moi, comme d'hab, hein, je ramasse trop et je sais plus quoi en foutre. Alors, la question sur le skill là, j'ai deux options là. Soit je vais prendre ça, ce qui me permet d'améliorer l'override, c'est-à-dire ça me permet d'augmenter de 50% et ça c'est indéfini, illimité. Soit j'ai ça, et ce qui me permet après d'avoir une monture ici, ce qui fait que même quand elle meurt, je peux en rappeler une derrière, il y en a toujours une nouvelle qui revient. Ça me permet de récupérer en étant à cheval, ce qui est pratique. Ça me permet de démonter le matos que je récupère. Repair, alors ça je peux réparer. Ah, ça c'est bien, c'est pas mal ça. Ça permet d'augmenter Increase Resource Inventory Slot by 20%. Hein, c'est pas mal. Donc voilà, après je peux partir dans le mode combat, bien sûr. Ça c'est pour être plus discret. Il n'y a pas vraiment de dommage en fait. Ça te permet juste d'avoir des techniques de combat. Si ça fait plus des. Voilà, ça par exemple, si j'attaque sur R1, je fais plus de dom. Quand je fais des dommages quand un ennemi est assommé. Ça peut être bien parce que j'assomme souvent les ennemis. Donc ça me permet, je fais R1 et je fracasse l'ennemi. Lightspear attack have an increased chance to knock off. Ok, ça c'est pour retirer l'armure des ennemis. Ça c'est pour me déplacer plus vite quand je porte des grosses armes. Quand je fais des critiques, ben, ça fait plus de dom. Donc ouais, techniquement, ça tu vois, il y a un moment où il va falloir que je les fasse. Celle-là, elle est pas mal en fait. Celle-là, elle est pas mal. Ça me permet, comme j'assomme souvent, je pense que c'est une bonne idée. Je peux pas encore la crit. C'est pas toi qui m'arrêtera. C'était pas prévu. J'essaie de pouvoir récupérer le coffre en fait. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir récupérer le coffre. Putain! Oh, j'ai les boulasses. Wesh, carrément, dommage. C'est des grazers. C'est quoi ça, grazer? Grazer, Grazer, un rat.
Ce serait vraiment bien s'il me cherchait pas. Ah bah tu viens de lui tirer dans le cul, alors forcément il te cherche. Qu'est-ce qu'il m'a vu? Parfait. Perfetto. Ma che è il tuo fuori? Perfetto. Ah, il y a un ancien débris ici. On va aller voir. Fais chier, Hyplux. Je vais avoir mes bottes mouillées. C'est ça, il n'y a rien à voir ici. Ah, elle est là. Elle est très belle, mais étrange. Est-ce qu'il va venir jusqu'ici, tu crois? Oui. Ça a l'air. Il scanne les environs. Oh oui, malin. Malinx le lynx. Ils ont l'air nombreux. Dans ton œil. Œil. Oh, dans l'arrière-train. J'aurais dû l'override, ça m'aurait fait un transport. Eh ben, ça fait des ressources. Voilà, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Encore? On va perdre Dirno à des ressources, hein.
Ah merde. Il est à moi en fait. J'espère qu'il va pas se retourner contre moi. Ouf. Bon, bah je l'ai eu. C'était un peu... Alors, la question... Ouais, on va peut-être monter là pour récupérer ça, tant qu'à faire. Hein. Je suis là, je suis dans le coin. Étant donné que je suis dans le coin, on va aller faire ça. Alors, attends, on va faire un truc. On va retirer des filtres. Option filtre. On va virer le tall neck. On s'en fout, un Tingrand on s'en fout, Bandit de camp on s'en fout. Ouais, ça c'est bien. Par contre, c'est quoi ça, les new, active new? Est-ce que tu crois que c'est des quêtes? Find the ground keeper, very hunted ground. Ça m'a l'air d'être des endroits où il y a des quêtes, hein. Ouais, je confirme. C'est des endroits où il y a des quêtes, donc. Ouais, allez. Il est là-haut. Ah bah oui, il y a un super dessin. Comme d'hab, je passe pas par là où il faut. Mais je le fais quand même, on s'en fout. Ouais, c'est un peu haut. Je crois que je suis hors sentier. Il neige, ça me pique la peau. Serais-je bloqué? Yes. Yes, no, yes, no. No. Je crois pas que ce soit par là qu'il faille passer. Il est où ce compte truc? Ça me semble être très dangereux de faire ce que je fais. Et en plus, c'est pas du tout là où il faut que j'aille. Oh putain, c'est juste là. Regarde ça. Ouais. J'ai chaud. Je vais me tuer. Ah, je passe même dans les murs, moi. Je suis trop fort. Oh, putain, j'ai cru que je tombais. Cette sculpture. Si j'étais tombé après tout ça. C'était rigolo.
Parfait. Alors, on va aller voir ici. Il y a deux quêtes qui sont pas loin, tant qu'à faire. C'est quoi ça? C'est à moi? Ah oui, c'est mon bien. Bonjour petit. Bonjour à toi. Tu m'attends malgré les bananes que je t'ai mis tout à l'heure? T'es trop gentil. C'est pas ce que je veux. La corruption serait pas partout. Protège. Il est grand temps que mon village élise de nouveaux échecs. Protège-nous. Je fais que ce que je veux, mon sieur. Si j'ai pas envie de te protéger, je vais te laisser crever comme une merde. Parce que c'est ce que tu mériterais presque. Hein? Pas de soucis. T'as raté un truc de ouf. Je suis allé chercher une statuette. Et en fait, j'ai absolument pas pris le bon chemin. Et je me suis retrouvé au sommet d'une montagne que j'ai dû redescendre. Et j'ai failli me tuer en redescendant, en fait. Ah, mais c'est une zone de chasse. C'est une zone de chasse. Ok. Ouais, je me suis retrouvé au sommet d'une montagne, un peu casse-gueule. Et je suis pas du tout passé par là où il fallait. Mais vraiment pas du tout, quoi. Il y avait un chemin balisé, je suis passé par les côtés des montagnes, j'ai sauté partout. T'es là-haut. Tu vois, là-haut, il fallait monter là-haut, en fait. Et t'as des fils, et t'as des câbles et tout pour y aller. Moi, je me suis retrouvé à passer par-dessus ici pour redescendre sur le côté de la montagne et revenir là. Au lieu d'utiliser les câbles qui étaient tendus pour y aller, quoi. Je suis pas censé être arrivé ici avec ma monture, mais j'ai réussi. C'est beau. C'est grave la classe. Alors, très bien. Oh, oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Ouais, mais ça c'est les... ça c'est le point là-haut, c'est les quêtes pour la donne que j'irai faire plus tard. Parce que le problème de la donne, c'est qu'il y a un matos qui est un peu bourrin et qui flingue littéralement le jeu, en fait. Je peux facilement pirater cette corne filante, mais pour l'attraper... Je suis pas là, oubliez-moi. Ah, il y a une metallic flower. C'est métal. J'ai passé le test. Elle est en bas dans la vallée, tu crois? Oh là là, attends. Oh, oh, oh. J'aime pas du tout ce que je vois, elle. Tu vois ce que je vois? J'aime pas du tout ça. Je parie que ce bâtard il tourne autour. Bon, elle est où cette conne de fleurs de métal là?
Où est-ce qu'elle est? Merde, merde, merde. Je suis bien embêté, j'ai pas l'impression qu'il y ait des endroits pour se cacher. Qu'est-ce qu'il aime pas lui? Le feu. Ouais, moi non plus, je la vois pas là. Elle est là, non? Je sais pirater les dents de scie, si je peux m'en approcher. Ah ouais? Je peux les pirater? Ça y est? T'es sérieux? Ah ouais, mais je peux pas les pirater longtemps. Ah ouais, mais je suis hors du périmètre en fait, ok. Bon, je vais me barrer, hein. Ça sert à rien de me mettre en danger pour ça. Où est-ce qu'elle va être? Oh! Quelle drôle de fleur! Elle est là. Quelle drôle de fleur, hein, dis donc. Dido, dido. Quelle drôle de fleur, hein, madame. Ok, bon. Non, ça je verrai plus tard. Ah, mais je suis bête. J'aurais dû aller à la loge tout à l'heure. J'aurais peut-être pu acheter du matos. Bon, je vais attendre un peu. Ok. On va venir là. Le village. Ah, c'est une. Maria m'a parlé. C'est une zone dévastée. C'est une zone de la corruption. Où le corruptisme se fait ressentir. Les voilà. Des veilleurs corrompus. Si j'ai bien vu, il n'y a pas que des veilleurs, hein, meuf. Alors. Voilà, on est d'accord, il n'y a pas que des veilleurs. Bon, tant que c'est pas un dent de scie, ça ira. Je sens la corruption qui s'en échappe. Y'a l'autre qui arrive.
voilà. Ça se passe pas trop mal. Petit. Mais pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que je me fasse en. Une lumière rouge, c'est mauvais. Bien. Zone corrompue. Décorrupté. Enfin, elle est propre, quoi. C'est le Saint-Ciel. Comme l'Actel. Alors. Parfait pour un remède traditionnel. Mais bien sûr, un remède tradit. Ah, toi t'es là-haut. Bien. Apocalymerdique, jour 8. Putain de merde. Oh, joli. Une machine défectueuse t'a brisé le bras et la clavicule. Avant que tu rencontres Wyatt. Ça s'est passé dans une mine derrière cette cascade. C'est pas pareil, qu'est-ce hein. Qu'est-ce que j'étais con. Il y a une cascade pas loin. Si une cascade, c'est qu'il y a une mine. Alors, bon, on va passer par là. Oh, 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 pong. C'est nourrissant. Oui, c'est le but. De la protéine. Fumée noire, guenilles rouges. Encore des bandits comme ceux de la soif du démon. Je crois qu'il y a un camp de bandits pas loin. Map, Bandit Camp.
Je confirme, il y a bien un camp de bandits pas loin. On va aller les tuer, ces bandits. Ah, ça c'est le chef. Ouais, mais j'ai quand même un problème. J'ai pas d'armes. J'ai un putain. J'ai l'arc du début du jeu, quoi. Quelle aubaine. Il y a plein de petits magasins, mais en fait, je veux acheter du violet direct, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas passer par l'étape intermédiaire, ça coûte trop cher. Et le problème, c'est qu'il me présente pas ce que je veux. Du calme. Ouais. C'est vrai? Je crains plus rien. Alors. Merde. Est-ce que tu vas pouvoir t'approcher un petit peu? Est-ce qu'il va s'approcher? C'est quoi ça? C'est l'heure de ta mort. Un cadavre. C'est pas passé loin. C'était pas du tout ce que je voulais. Mais c'est ce qui a été fait. Ils sont nombreux hein, quand même ces petits cons. Il fouine encore. Le problème, c'est le boss, parce qu'il est équipé d'une arme un peu relou. Une alarme. Ils ne doivent pas l'utiliser. Qui a vu quoi? Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Chut. Tu ne m'as pas vu. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Je suis Fufu la Scred. Ah,
sais ce que j'aurais dû faire ? Placer des pièges. Tu places des pièges, tu les attires. Pim ! Comment t'as fait pour la jeter là, Takaya ? C'était trop conne, toi. Oups. Les bandits séquestrent ces gens. Bandit thug. Tuck life. Ils pourront pas déclencher le signal. Je crois que ma flèche a glissé dans ton œil. Reste attentif. Oh, allez. Ouf. Repéré. Position, on va la voir. Cherche encore. Oups. Je crois que le piège fut efficace. C'est bien les pièges quand c'est efficace. Alors tu vois, hop. Bon, lui me propose un Shadow Sling. Alors ça, c'est très intéressant par contre, le Shadow Sling. Par contre, il me manque un Crystal Braiding.
Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir faire fuir les bêtes quand tu tires. Alors soit ça les. Soit tu leur fais mal, soit tu peux les attirer dans des pièges. Il y a un côté très pratique à la chose. Bien, alors, j'ai nettoyé le camp. Il paraît que la forteresse Karja a fermé l'accès à la vallée. La frontière... Rost dit toujours patience. La frontière Karja est... Alors, s'il te plaît, je sais que c'est douloureux à dire, mais Rost est mort, donc il ne peut plus le dire. Emploie le passé. Rost disait toujours. Pas vrai ça, ces gens qui refusent. Oh, t'as la meuf quoi. Il n'est plus là pour t'aider ton poupée. C'est d'ailleurs à cause de ça que t'es parti dans cette vadrouille, hein. C'était pour tuer tous les gens qui l'ont tué à la base, hein. Ah ouais, merde, putain, oh, j'aime pas ce passage. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais... ça va être chaud. Des bruits de combat. La forteresse Karja serait attaquée. Un corrupteur. Comme si je savais pas qu'elles étaient dangereuses. Ouch! Eh, ça fait bobo ça! Non, non, c'est pas le soleil, c'est moi. C'est le soleil qui a risqué sa peau, en tout cas. Ah, tu vois, même elle, elle le dit. Même elle le dit, c'est pas le soleil qui a risqué sa peau. En même temps, est-ce qu'il a une peau, le soleil? Hein, ça c'est la question. Hey, approche. Ouais, ouais, calme, calme, d'abord je pille. La vie d'aventurier, ça coûte cher, tu sais. Je dois me préparer. Ouais, keep cool. Keep la cool. Bon. Vous allez m'ouvrir la porte maintenant? Faites ce qu'elle dit. Ouvre les portes. Et allez prévenir le capitaine Balan. Où est-ce que tu vas, fillette? À l'ouest, à Méridian. Oh, la téléportation. Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridian il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. D'accord. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente, Nora. Que le soleil illumine son départ. Bien. Celui qui dirige cet endroit saura si Nakoa est venu.
ridicule est sur nous. Trop de sang versé. Toujours des problèmes. Et la colère des machines. On n'a que des ennuis sur les terres Banouk. Le soleil brille sur le travail dur et la sueur honnête. Viens jeter un coup d'œil à ces marchandises. Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui ? Je t'ai entendu parler de problèmes sur les terres Banouk. Ah, je parlais tout haut. Je dois avoir l'oreille fragile avec ces déflagrations de hautes pattes. Mais c'est bien ça. Je reviens de la plaie. Je cherche de bonnes choses à glaner et de bons éclats. Et tu n'as rien trouvé ? Pas avec ces Banouk qui pleurnichent sur de nouvelles machines ou des esprits qui parlent avec leurs bourses gelées. Qu'est-ce qu'une route commerciale sans commerce ? C'est juste une route ? Philosophie plus un pour toi. Une route commerciale ? Je croyais que les Banouk aimaient s'isoler. Les Banouk et nous autres, Océram, sommes voisins, après tout. Que représentent quelques montagnes entre amis ? Je connais quelques personnes là-bas qui cherchent à gagner leur croûte au milieu des glaces, mais je crois que ça ne marche pas. Il faut dire que les superstitions idiotes et les machines féroces n'aident pas. Quel genre de machine et d'esprit ? Honnêtement, je ne sais même pas. Vu le nombre de funérailles Banouk, sûrement le genre à te faire rebrousser chemin. Pas vraiment mon style. Eh bien, si un jour tu atteins mon âge, je te conseille plutôt de suivre les chasseurs de l'hélium. Meilleur climat. Quel est cet endroit, la plaie ? Quand les Karjas ont pris leurs épées pour massacrer les bordures des terres Banouk, ils ont laissé la plaie derrière. C'est un champ de bataille, alors ? Comme la vallée près des terres sacrées. Tu peux y accéder par le défilé dans les montagnes. Il est ouvert aux étrangers, dur à cuire, comme toi. Mais n'attends pas d'accueil chaleureux. Et surtout pas maintenant. Nouvelle machine et esprit qui parle ? Ça m'intéresse. Je m'en doutais, rien qu'en te regardant. Mais je t'aurais prévenu. Il y a un sentier au travers des montagnes au nord-est, après ce qu'on nomme la nécropole. C'est immanquable. Tu trouveras une espèce de village de l'autre côté. Peut-être que là-bas, on te dissuadera. Peut-être. Peut-être pas. Merci pour les infos. De rien, Zaloy. Fais craquer les jointures de mon corps. Regardez le soleil avec fierté. Tout ce que je veux, c'est un moment de tranquillité. Capitaine Balan, j'ai quelques questions. D'abord, une femme de la tribu Nora serait-elle passée par ici ? Et ensuite, pour le chemin vers Méridian, pouvez-vous me dire à quoi m'attendre ? Oui, une autre Nora est passée par ici. Impossible de l'oublier. Elle a causé un incident. Quant à ce qui t'attend en chemin, rien de bon. De plus en plus de machines, et nos éclaireurs ont signalé des corrompus. Comme quoi, la sécurisation... Reste sur la route, c'est moins risqué. Quoique, vu tes exploits, j'imagine que tu n'es pas peureuse. C'est une qualité. J'aurais besoin de ton aide, si tu veux bien faire un crochet par l'Est. Tu dois trouver que j'exagère de te demander ça après tout le reste. Mais, en échange, je répondrai à tes questions, s'il y a des choses que tu veux savoir sur l'hélium. À quoi sert cet endroit exactement ? Le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja. Comptoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation dans ta tribu. Sous le dernier roi soleil, beaucoup de Nora ont été faits prisonniers, puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridian, pour être sacrifiés. Ce temps est révolu. Le roi soleil Avat m'a nommé pour veiller à ce que tous les Karjas de cet avant-poste respectent les Nora. Où en sont les relations entre les Karjas et les Nora à présent ? Le roi soleil Avat veut la paix, comme les matriarches, semble-t-il. Mais les blessures ne guérissent pas vite, l'humain est orgueilleux. Ma mission est d'éviter toute nouvelle provocation de l'hélium. En même temps, après, vous avez un peu abusé. Ton peuple est encore sous le coup de cette attaque, vois-tu. C'est comment, Méridian ? Ça a beaucoup changé. C'est très vivant. Rien à voir avec ce que c'était sous le roi soleil Jiran. Le nouveau roi Avad a tout mis en œuvre pour la faire évoluer. L'esclavage a été aboli. On est allié avec les Océram et la Fosse du Soleil, où tant d'étrangers furent massacrés. Et maintenant un monument en leur honneur. Bon. Déjà, alors, il est pas mal ce roi, les Avad. Les Océram sont alliés ? Difficile à croire, mais oui. Le roi Soleil démon Jiran n'a cessé d'attaquer les Océram. Mais Avad a pu les mettre de son côté. Mais pas tout seul, bien sûr.
Ersa et Eren l'ont bien aidé. Famille Oseram, très influent. Libérèrent Méridian avec leur armée. J'étais avec eux. Mes hommes et moi avons grimpé la falaise nord et repris le temple du soleil. On a dégagé les buzards et les prêtres de Jiran. Ça, c'est cool. On voit beaucoup d'Oseram en ville maintenant. Et on les entend beaucoup aussi, ils se chamaillent tout le temps. J'ai l'impression que ce nouveau roi soleil vous plaît. Le soleil l'a choisi. Après 10 ans de guerre, l'Hélium a besoin de quelqu'un comme lui. Une lumière apaisante, pas un barbare. Jiran versait le sang à la première occasion. Pour le roi Avad, c'est le dernier recours, même envers ceux qui le moquent. Certains disent dans l'ombre qu'il est faible. Non, la paix est une force et le soleil le prouvera. Il y a quand même une différence entre être faible et être indulgent. Le faible, il ne peut pas se défendre. Un indulgent, il a potentiellement la capacité de se défendre. Quand on nous a signalé des corrompus, mes craintes étaient bien fondées. J'ai donc fermé les portes. Mais plusieurs de nos hommes étaient encore à l'extérieur. Walid, explique-lui. Les machines nous ont attaqués près d'un village Nora déserté. L'Akira a ordonné le repli. Et j'ai perdu les autres de vue. Tu n'as jamais vu de guerrière Nora, soldat. Fais preuve de respect. Parle-lui à elle directement. L'Akir nous demande toujours de revenir à la base, et c'est ce que j'ai fait. J'ai la cruelle sensation de les avoir abandonnés. Maintenant que les portes sont ouvertes, je peux lancer les recherches. Un Oseram du nom d'Olin est venu ici ? 2 fois. Avec la délégation royale envoyée chez les Nora, ils sont passés à l'aller et au retour. Ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet. Je te présente mes condoléances. Vous savez où il se trouve ? Pas précisément. Mais je suis sûr d'une chose, il allait à Méridian. Tout le monde va à Méridian. Vous pouvez m'en dire plus sur la route allant à Méridian ? Le roi Soleil Avad a mis en œuvre une quantité de ressources pour la sécuriser. Mais le soleil m'en est témoin. Il est plus dur de le contrôler maintenant que pendant la guerre. Les machines deviennent de plus en plus dangereuses, sans compter les bandits et l'apparition des corrompus. Nos hommes sont répartis sur quelques avant-postes. Quant aux autres zones, eh bien, elles ne sont pas protégées. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nakoa ? La jeune Nora ? Ah oui, l'incident. Tentative de meurtre. Le préfet Zaïd pourra t'en dire plus. Il est près de la tour principale, en haut des marches. Quoi ? Zaïd est là ? Oui. Écoute, je sais ce que disent ceux de ta tribu, mais il affirme qu'il ne s'agissait pas de lui. Je n'ai jamais eu de preuve de ses mauvaises actions passées, et il a fait preuve d'une grande patience à l'égard de cette Nakoa. Va lui parler. Il sait peut-être où elle est. Et abstiens-toi de l'insulter. Pourquoi ne pas envoyer plus d'hommes pour les chercher ? Walid pourrait y aller ? La plupart des Nora n'aiment pas beaucoup les soldats Karja. C'est risqué d'envoyer des patrouilles si près de vos terres sacrées. Je préférerais donc éviter. Mais toi, tu n'auras pas ce problème. Allez, dis oui. Que dis-tu, soldat ? Ah, rien, monsieur. J'essaierai de retrouver vos disparus. Je t'en remercie. Et Walid encore plus. T'as entendu, tête de nœud ? T'auras pas à y aller. J'espère que tout va bien pour toi. Bon. Qu'est-ce que tu as à me vendre, toi ? Ah, ben ça y est, on commence à parler. Ah, ça c'est très bien. Ouais, bah c'est très bien. Il me faut ces trois là. Bah, techniquement, il me faudrait les 4 en fait. Bon, on va commencer par ça. Yes. Oh, j'ai plus de sous. T'es sérieux ? Merde. Ah, chier.
La question c'est est-ce que je vais garder mon premier arc? Parce que celui-là il remplace le premier arc, tu vois, il a les mêmes, il a la flèche de feu et l'autre. Il tape un peu plus fort, mais c'est pas grave. J'ai lui qui est très efficace. Et je vais prendre mon Shadow Tripcaster. Parce qu'il offre plus de pièges. Super. Ok, alors déjà crafting, ensuite on va donc. Ouais, il est pas mal celui-là. Il monte un peu tout, tu vois. Parfait. Ok. Ça. Très bien. Parfait. Ok. Bon, parfait. Nous devons l'accepter. Oh, je me sens mieux. Je me sens mieux. Mais je suis pauvre. Reste sur tes gardes. Tu me parles pas comme ça. Si j'ai envie de te péter les dents, je le ferai. C'est toi que je dois voir? Zaïd. Et tu es Nora. Ta voix me dit que tu as entendu parler de moi. Laisse-moi éclaircir une chose. Il circule de drôles d'histoires à mon sujet dans ta tribu. Mais les Nora me confondent avec une autre personne. J'ignore ce qui a pu provoquer cette erreur. Mais le chaos de la guerre entraîne bien des confusions. Malheureusement, certains refusent d'admettre qu'ils se trompent. Comme dernièrement la jeune Nora qui est venue ici. Donc vous niez avoir participé au Raid Rouge? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai joué un rôle pendant ces opérations, mais il était extrêmement limité. Quant à ces histoires absurdes de torture et de meurtre, ça n'était pas moi. On m'a confondu avec un autre commandant. Je suis sûr que certains de mes camarades ont commis des horreurs. Mais le roi Soleil Avad a travaillé dur pour éradiquer cette barbarie. La jeune Nora qui s'est présentée ici, vous parlez de Nakoa? Est-ce son nom, si tu le dis? Une situation extrêmement délicate. Cette Nora m'a attaqué en plein jour. Si l'un de mes hommes ne l'avait pas repérée, j'aurais pu être blessé. Mais nous avons pu la maîtriser dans le calme. Qu'avez-vous fait d'elle? Nous l'avons relâchée, bien sûr. On l'a égorgée, toute voyons. Évidence, elle me tenait pour responsable d'agissements barbares. Et de ce point de vue, son acte pouvait paraître justifié. Je lui expliquais qu'elle se trompait. Puis les renvoyer chez elle. Malheureusement, je crains qu'elle ne m'ait pas cru. Où est Nakoa? Je ne pourrais pas te dire. Elle est partie en criant haut et fort qu'elle trouverait un moyen de m'abattre. Mais la garnison du rocher solitaire nous a signalé qu'une jeune femme avait été enlevée par des brigands. C'est peut-être elle. Je vous remercie de votre obligeance, préfet Zaïd.
Avec plaisir. Le roi Soleil souhaite apaiser les relations avec ton peuple. Et je suis son humble serviteur. J'irai au rocher solitaire et je découvrirai la vérité. Ça, je vous le promets. Je t'en prie. Et si mes hommes font des difficultés pour t'aider, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Ok. Oui. Bah écoute. Oh, pourquoi pas ? Mes pauvres pieds. Hein ? Pourquoi pas ? Alors, quest side. Comment je vais là-haut? Oh putain, je t'ai raté. On ira plus tard. On ira à un autre moment. Ok. Oh, il m'amène là-bas, le bâtard. Ok. Ma foué. La patrouille du capitaine Balan a dû croiser des machines à cet endroit. Un des soldats Karja est mort. Les autres soldats ont dû battre en retraite. Mais où ? Encore un soldat Karja. Au moins, il n'a pas souffert longtemps. Ça fait de la ressource. Oula, c'était pas ce que je voulais. Bon, reste ça, tranquille. Ça a quand même suffi, mais c'était pas ce que je voulais.
Fatimite et Richmite. Ok, alors, tac. Ça ne peut pas être le casque du dernier soldat Karja. Il a failli se faire décapiter avant de prendre la fuite. Ok. Oh merde. Cette eau vient de la fonte des neiges. Ah donc t'as un peu froid, hein, c'est ça? Il y a du sang partout. Une machine a traîné quelque chose jusqu'à l'eau. Mais il a peut-être réussi à atteindre l'île. Ok, alors ça c'est... J'ai intérêt à me méfier. Cette machine a l'air coriace. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un chante? J'ai battu toutes les machines et je descends. Ok. Je ne pensais pas être retrouvé. Encore moins par une Nora. Et je pensais pas trouver un Karja débraillé rond comme une queue de pelle. Je m'excuse pour ma conduite. Je me voyais déjà mort. Allez. Ton commandant m'a demandé de te ramener au rempart. Pas question d'être accompagné là-bas par une Nora, comme un prisonnier. Bien, on rentre tout seul. Attends, écoute, je me suis fait attaquer par un carapateur. Il a dévoré mon armure et emporté mon arc. Ce monstre est encore dans l'eau. Je peux pas rentrer à l'avant-poste sans arme. Trouve mon arc, allez. D'accord, juste, recommence pas à chanter. Oh putain, c'est ça un carapateur. Je vais les éviter pour l'instant.
pardon. Oh merde. Ouais. Mais elle est chez toi là, elle est rentrée. Ouais, la mâle avec deux ailes. Ouais. La mâle, sinon c'est l'homme. Ouais, c'est ça, c'est cet après-midi. Et du coup, là, elle essaye de partir, mais elle veut aller où? Ah! Bah, elle en a peut-être un peu marre d'être restée au lit, non? Mais bon. C'est peut-être pas le moment pour elle de sortir, quoi. Ah ouais, ça fait masse d'XP, cette bestiole! Ah ouais, c'est compliqué là. Elle manque. Oui. Bah si elle arrive à le réaliser, ça serait peut-être une bonne chose, mais. Ouais, c'est pas cool quand même quoi. Bon, au moins elle a repris un peu de du poil de la bête, comme on dit. Elle a retrouvé suffisamment d'énergie en soi pour pouvoir. Voilà ton arc. Bonne chance à toi. Merci. Je voulais pas mourir en territoire étranger, comme les autres. Que le soleil éclaire leur chemin. Bon, alors, ces petits crocos, là, ils rapportent gratte XP, bordel de merde. Du coup, bah, tu vas t'occuper d'elle, là, non? Ou elle va mieux, elle s'est calmée? Oh, très utile. Ouais, ok. Tant mieux. T'es mieux. Ouais, ok. Oui, normal. Cette trêve me donne l'impression que le soleil s'est enfin levé après une très longue nuit. Le monde au-delà des terres sacrées. Je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Oula, qui était les tueurs? Ça, c'est la flèche. Dans son focus. Qui est cette femme? Celle qui me ressemble. Pourquoi ils veulent ma mort? Les traces d'Olin mènent vers Méridian. Quand je l'aurai, il parlera. Et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. Ah, tu l'as vu, lui, là-bas?
T'as pas vu? Lui, là. Cette espèce de bâtard, là. Salut, SK! Comment ça va? Ça va? Je me fais plaisir, je tue des robots. Je viens de tuer un énorme robot crocodile. Et puis j'ai un énorme... J'ai des trempleurs là. Putain, ils sont gros. Hein. Ouais, je m'éclate un peu là. Et puis demain matin là, j'ai une réunion hyper importante pour valider. Ah ouf. Ouais. Ouais, c'est la partie que j'ai fait moi, c'est... mais je l'ai pas fini encore, j'en suis pas loin, mais je suis niveau 45, y a plus de difficulté là. Laissez-moi vivre. Ouais. Mais il est pas très dur comme jeu, par contre si tu veux le compléter, il est très très long parce qu'il y a énormément de choses à faire dedans quoi. Mais il y a beaucoup de... ce que j'appelle de fake contenu quoi, c'est beaucoup de quêtes que tu vas chercher à droite à gauche. Un peu comme ce jeu, mais l'histoire me semble plus agréable. Enfin, ce jeu il ressemble beaucoup hein. Hein? Non, je suis réveillé. Et alerte. Ouais, bah c'est ça. C'est. Ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Putain, j'ai réussi à éviter le. J'ai réussi à éviter le gros osio. Ça fait zizir. Non, parce que tu vas voir, plus tard, il y a un gros osio. J'ai un nouvel arc. J'ai réussi à récupérer un nouvel arc là. Et un nouveau lanceur de pièges là, de cordes. Ouais, bah surtout que ce nouvel arc il lance des trucs qui sont super sympas. Ah merde, c'est en dessous. Ah bah c'est juste là, c'est très bien. Tu as une question qui reste sans réponse. Vous allez voir là, cette flèche là, je m'en sers en permanence. Elle fait pas vraiment de dommages. Mais c'est une des flèches les plus utiles du jeu. Merde. Il a apprivoisé. Fais chier. Je sens que je n'aurai pas fini avant de voir la lune. Ah.
Voilà, moi sur Assassin's Creed, j'ai récupéré une armure spéciale là récemment. Aucun effort pour s'intégrer. Quelle bande d'ingrats. Voilà, c'est ces quatre là que je veux. J'ai récupéré ça et ça. Il me faut ça et ça maintenant. J'espère que vous allez bien, toi et ta famille. Les Nora se sont toujours méfiés des étrangers. Ils avaient bien raison. On respecte la loi du roi Soleil ici. N'oublie pas de tu sais comment les récupérer, les armures spéciales? Il y en a une qui est basée sur... sur un... Comment ça s'appelle? Il y a une épée et un bouclier qui sont... sur un délire de Final Fantasy 7, de Final Fantasy 15. C'est un crossover dans le jeu avec Final Fantasy 15 et tu peux récupérer une arme et un bouclier. Ça se gardera. Qui ont un design un peu futuriste par rapport au jeu. Je vous aime pas les gros là-bas. Putain, il va falloir que je les affronte. Oh ! Ça vous dit d'aller voir un énorme ? Ça vous dit de voir un très très gros? J'ai pas encore de quoi le tuer, hein. Je pense pas arriver à le tuer. Ah, il est là. Merde. Mais il y en a deux ? Ah non. Oula, 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 oula. Approche, papa, approche. Approche. Bon, alors maintenant on va s'attaquer au gros. Ou quoi? Ouais ben oui oui ben c'est un arc un peu puissant quoi mais... Oh merci.
Il a l'avantage, c'est qu'il fait très vite péter les composants en fait. Oh merde. Ouais, mais ça a déjà fait du mal. C'est pas les mêmes dommages, hein. Donc il est plus lent, mais... Mais... Non ! Bande... Et mon XP, connard ! Tout a l'air un peu plus lumineux. Connard, mon XP ! Merci de m'avoir sauvé, Nora. Putain, j'hallucine ! Il a tué la bestiole, il m'a niqué mon XP ! Mais j'hallucine! Oh non, putain! Putain, mais je suis dégoûté! Je vous jure, je suis dégoûté! Je me suis pété les couilles, j'ai tout fait! Oh! Saloperie, putain! Putain! Oui, ma migration est toujours d'actu, mais c'est dans 40 jours, donc on a le temps. Oh, 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 merci. Ouais, toujours la baleine qui a encore pris 10 millions depuis la dernière fois. Vingt-trois, vingt-neuf.
Bon, bah ça fait zizir. Voilà, on peut aller continuer la quête. Ah tiens, il y a une fleur par là. On va aller la récupérer du coup, vu qu'on a nettoyé la place. On sait jamais, ça peut servir. Je crois qu'il y en a une, il y a une zone, il y en a deux des comme ça. Après, plus tard, il y a un moyen de les tuer en une seule fois. Les motifs de cette fleur sont étranges. Putain, mais alors, je vous jure, pour l'XP, je suis mais dégoûté, quoi. Plus. En fait, ça, il va... Le truc, c'est qu'il va faire venir de ses potes, qui sont des... Certains sont des kraken déjà. Ouais, il y en aura d'autres. Mais j'ai un peu les boules, quoi. Il va faire venir de ses potes qui sont... Certains sont des kraken. Donc ça va être... Comment t'as eu mal? Ouais, non, c'est pas le but. Là, il vise l'Impérium, hein. Il visait l'Impérium pour le KVK3 normalement. Ah tiens, on va aller faire un... On peut aller s'amuser, aller ici. Oh, putain, mais j'ai plus de santé. Oh! Interesting. On s'en occupe? On va aller là d'abord, récupérer le point de sauvegarde. Juste histoire de... Bonne nuit toi aussi, merci d'être passé, et puis bon courage pour le sport demain.
Ouais, merci. Force à toi pour demain matin. Ah, il y a notre ami là qui propose des camps mercenaires. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va faire lui. On va faire le gros et ensuite on fait le camp mercenaire. Juste histoire de se mettre en jambes. Alors, on va lui laisser le temps de passer un coup ici. On va placer tous les pièges au même endroit. Tous. Bon, bah j'ai pas pu placer tous mes pièges au même endroit. Je vais les éviter pour l'instant. Merde, il va me détecter le con. De la gueule. Ce putain de laser là, si tu tues pas le laser avant de tuer le reste de ces... Enfin, si tu tues pas les lanceurs de drones avant de tuer les lasers, t'es in de caca. Et si tu te fais gauler par dès le départ comme un gros gland. Oh putain, mais vas-y, pète tout quoi. Eh merde. Ouais, il est dur, hein. Sachant que il me manque un truc essentiel. C'est le multiflèche. J'ai pas encore le multiflèche.
Bon, alors, je vais essayer de pas me faire attraper dans les papattes de ce monsieur. Ok. On fait un dernier essai, hein. S'il me pulvérise les dents. On fera différemment. Crafting. Je vais mettre ça là. Ça y est, je vais pouvoir filer. Qui te dit que tu veux qu'on parte ?
Mais... En fait, ce qu'il faut faire, c'est ça maintenant. Bah c'est pas ça qu'il faut faire. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais, ok. Parfait. Je sais les endroits où tu es passé. Ils respectent pas les belles choses, les nouveaux venus. Ils avaient déjà détruit tout ce que t'avais fait. Mais je savais quoi chercher. Les traces dans la terre. Et toutes ces éclaboussures. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait. Neil, toujours après les bandits? Bien sûr. J'ai aiguisé mon couteau pour être prêt dès que je sentirais l'odeur du combat. Et tu peux me croire, ces bandits, on les voit venir de loin. Le mieux, c'est d'ajouter une touche de panique et de désespoir. Là, ça pique le nez. Et donc, il s'appelle comment, ton couteau? Qui donnerait un nom à son couteau? Je disais ça comme ça. Alors, t'es prête? Ne va pas croire que... Ah, tant mieux. T'en fais pas. On va faire en sorte qu'il trahisse pas ton secret. Tant mieux. Deux secondes. Ok. Y a quelque chose par là? Peut-être, peut-être. Tu me vois? Tu ne me vois plus?
c'est pas prévu, ça. Je vais garder ça pour la route. Tu me vois ? Tu ne me vois plus. Tu me vois ? Je ne suis pas là. C'est exactement ça, meuf. Ici, ils sont ici. Salut, démon. Comment ça va? S'il déclenche cette alarme, ça fera beaucoup de bruit. La prochaine fois, on le trouvera. Parti déjà ? Ils m'ont vu, ça y est. Ouais, apparemment. Ils pourront pas s'en servir. Will s'est endormi sur... Ah, super. Bien joué. Ah, ils s'en vont. Voilà les prisonniers des bandits. Oh.
C'est un peu... C'est un peu compliqué. Là, c'est juste une quête annexe, en fait, où il faut que je libère un village des pillards qui le tiennent. Mais le but du jeu, toi, c'est... au tout début du jeu, tu as ton père qui se fait assassiner par des mecs, et tu pars... suite à ça, tu découvres un truc un peu chelou, c'est que il se trouve qu'on dirait qu'une femme te ressemble énormément et que tu aimerais savoir qui c'est. Donc tu as deux buts, c'est trouver qui est cette femme qui te ressemble trait pour trait, et deuxièmement, quel est le bâtard, enfin tu sais quel est le bâtard qui a provoqué la mort de ton père, et tu cherches ce bâtard là pour aller lui péter les dents. Alors je m'excuse, j'ai une inondation d'eau dans ma cuisine. Je vais prendre 3 minutes pour nettoyer. J'ai l'impression que la vie reprend peu à peu son cours. J'ai dégelé mon frigo. J'ai dégelé mon frigo et parce qu'il était vraiment rempli de glace. Et merde, toute ma bouffe pour demain a pris l'eau. Super. Des machines sauvages partout. Ah ben non. Oh, génial. Une période bien sombre. Comment je vais faire? Faut que je me rachète une serpillère, c'est plus possible. Merde. Ah, mon dieu. Mais comment elle a fait pour arriver là, cette eau? Sans cou... Ah si, elle a coulé de là, ok. Ah. Faut que je me rachète une serpillère. La colère des machines grandit, et seul le roi soleil peut nous en préserver. Qu'est-ce qu'on attend pour s'occuper des Karjan et l'eau? Le roi Soleil Ava devrait mater leur rébellion. Des Karjan de l'ombre? C'est arrivé au Nora, mais ça n'a rien à voir avec nous. J'ai 3 blocs de glace énormes dans mon frigo. Je vais les enlever. Hein. 2 secondes, histoire que ça mette fin à la fuite, quoi. Ah ouais! Oh merde! Vous savez, le plateau qu'il y a sous un... Oh! Vous savez, dans un frigo avec un freezer, il y a toujours un petit plateau en dessous du freezer qui est toujours percé, parce que c'est super intelligent d'avoir un truc percé. Et ben, il est plein d'eau et de glace. Et là, j'en ai encore plus de partout. Je suis un gros malin. Oh, putain de merde. D'une petite coulure, là, je suis en train de faire une inondation complète. Oh, ouais. Super. Ah, les joies du direct. Je comprends, la télé maintenant. Oh, putain. Au secours, je vais chercher une serviette. Les joies du direct, j'en ai mis partout. Et puis elle est froide, l'eau. C'est de la glace. Elle est super froide. Allez, circulez. Alors. Il s'est plaint pendant une heure qu'une autre femme gravisse les échelons de la guerre. Il n'a rien de mieux à faire. Je vais mettre ça là. Oh putain, j'en ai vraiment mis absolument de partout. De partout. Oh, malin. Malinx, le lynx. Bon, ben mon frigo en sera quitte pour être nettoyé. Mais pourquoi il y a des trous comme ça dans cet endroit? C'est pas logique. Superstition ou pas, je m'en fiche. Rouge mort a tué tous ceux qui l'ont chassé. Ça me suffit comme preuve. Eh merde. J'en ai mis encore plus partout. Pourquoi mettre des trous à cet endroit-là? Vous faites un bac pour recueillir de l'eau, on peut le vider. Vous faites pas un truc qui se vide tout seul quand vous faites un dégelage de votre frigo, quoi. Ah, ça c'était un bloc de glace. Voilà ce
qui arrive quand on met des femmes au pouvoir. Bon, il n'y a plus de glace. Et toute l'eau est dans ma cuisine. Tu parles d'une traite. T'as de l'ombre de tuer la capitaine de la... Bon, voilà. Très bien. Ouais, c'est pas loin d'être This is fine, tu sais, le même magnifique This is fine. Putain, j'en ai mis partout à côté en plus. Je n'aime pas vraiment les Océrames, mais la capitaine Irsa s'est battue pour nous. Et c'est pour ça que les Carja de l'ombre l'ont tué. Comment ça, la capitaine... Attends, Irsa, c'est la sœur de... C'est la sœur de Eren. Et pourquoi ils disent qu'ils l'ont tué? Pourquoi ils disent qu'ils ont tué la capitaine Irsa? Pourquoi? Faut que j'aille vite à Meridian pour savoir. C'est quoi ce délire? Pourquoi ils disent qu'ils l'ont tué? Nani? Bon, voilà, ça c'est fait. Je récupérerai ça un autre jour. Ok. Juste, je vais... On va aller là, on va aller récupérer le long coup. On va aller récupérer le long coup, comme ça. Les Océrames ne valent guère mieux que les Noras. Ils vivent parmi la ferraille des anciens. Oh merde. Mais il est si loin que ça, ce long coup? Ah ben non, parce que c'est pas du bon côté que je vais. Malin. Bah oui, bien sûr. Il était de l'autre côté. Bien sûr. Logique. Alors... Ah, il est là, petit long coup. Je la préparerai plus tard. Encore un signal. Oh merde. Je crois que je me rapproche du signal. Il y a des croco-boys. Il faut que j'aille où pour... Oh putain, il faut que j'aille là. Il faut que je me mette là et il y a des croco-boys. Regardez ça. Merde. Il faut trouver un moyen d'accéder à sa tête. Allez, approche! Approche, approche! Approche, approche, approche! Bim! Oh, le gros débile, l'autre! Oh, le gros débilos! Je viens de buter ton pote sous tes yeux, t'as rien fait! Bien fait! Tu mérites la mort! Bon, alors il faut que j'aille sur l'île du milieu, et malheureusement, il y a des croquinous. Tiens,
passage, il a tué un poisson. Je vais devoir faire sécher mes bottes. Comment je vais faire là ? Parce qu'ils sont chiants ces crocs. Ils sont vraiment chiants. Mais si c'est coincé sous une branche ce croc ? Non ? J'aurais bien aimé. Je peux m'en sortir. Oula, 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 oula. Oh oui. Ça fait mal. Quelque chose envoie un signal par ici. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Pop, 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 pop ! C'est l'endroit idéal pour sauter sur le grand pont. Je vais faire profil bas. Ça, c'est ce que j'appelle faire profil bas. Je m'y suis un peu mal pris. Non, non, mais... C'est pas que je m'y suis un peu mal pris, mais... J'ai fait de la merde. Pour rester poli. La source de ce signal doit être proche. Je crois que je peux sauter sur le grand coup d'ici.
Je me suis fait exploser par mon propre pied. Je les avais très très mal placés. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Mais c'est dur, là. Je suis en mode de difficulté super difficile, là. Je capte encore ce signal. Devant toi, mec. Il faut juste que j'atteigne la tête du grand. Ça marche mieux, hein, quand on s'y prend pas comme un trou de balle. Hein? Hein, on a, il y a un effet réussite presque instantané qui est quand même non négligeable. Reprenez vos activités. Viens là! Mais! Reste tranquille. Viens là! Rentre dedans! Rentre! Ici, là! Mais! Je suis pas censé passer par là. C'est pas grave, j'y passe. Donc, ce long coup, je vais enfin y monter dessus. Je crains plus rien, pour l'instant, bon, du moins. Quand on utilise les pièges, ça passe mieux, hein. Et quand ils y marchent dessus aussi. Je devrais pouvoir sauter sur ce grand coup d'ici. Ah, mais il reste... Deux. J'ai combien de sous? 200 shards. Il en faut 600 pour mon prochain arc. Parce qu'il me faut un arc de feu qui soit digne de ce nom, parce que là je fais pas de dom avec mon arc de feu. Allez, putain de gros land, grand long coup de mes deux là. Il est là, il est là. Il est grand, il est gros, mais il est là.
Oui, je me fais pas trop de soucis. J'ai pas mal de ressources à vendre, tu vois, il y a des trucs que je peux vendre. Donc je vais pas me gêner pour les. Je commence à avoir deux pages là. En spécial. Ouais. Boulet. Alors c'est où? C'est là, hein. Je pense que c'est d'ici que je peux sauter dessus. J'espère. J'espère que c'est d'ici que je peux sauter dessus. Yes! Ok, il faut que je grimpe sur sa tête. Parfait. Perfetto. C'est bon. Ah, c'est là. Garde ça pour la route. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Tada! Ah, ça c'est intéressant. Nirion.fr le chaudron. Non, il faut qu'on avance un peu dans les quêtes, hein. Parce que là, la quête principale, elle est niveau 12, je suis niveau 20. On va avancer un peu dans les quêtes. C'est le classique. C'est le classique. Tu fais toutes les. Tu fouilles la map, tu fais toutes les quêtes que tu Ça trouves m'aidera. autour. Tu te retrouves à faire ta quête principale, t'es niveau 40, tu te dis ah ouais, ok. Ben bien sûr. Ouais, puis map exploration, tout ça. Alors, il y a une fleur. Ah, elle est peut-être sur l'île. Vous croyez qu'elle est sur l'île? Ah, elle pourrait être sur l'île. C'est pas de la ferraille. Ah, elle est là. Super. Bon, alors. Jusqu'où je peux me téléporter? Nulle part. Ah, j'ai pas parlé à Neil. J'ai pas parlé à Neil. Donc il faut que j'aille lui parler.
faut que tu te rappelles de ton instinct de chasseur. L'adrénaline, l'excitation. C'est un appel aux armes, de tes désirs profonds. Ou un appel à l'aide. Je n'y résiste pas. J'avais remarqué. Alors t'étais soldat avant? Pour le compte des Karja? Pour eux, contre eux. Un empire a toujours besoin de guerre. Faut prendre ce qu'on trouve. Avad, le nouveau roi, n'est pas de cet avis. Il a lancé une enquête sur les crimes de guerre. Toutes les guerres sont un crime, à mon sens. Enfin bref, je me suis porté volontaire. Porté volontaire pour mener l'enquête? Non, pour avouer ce que j'avais fait. Une enquête, c'est juste du temps perdu. J'ai été envoyé à l'Héliolithe pendant 2 ans. Un bon marché. Quel genre de crime avais-tu commis, Neil? Des choses acceptables, vu les circonstances. Acceptables pour qui? Je prends pas de décision. Pour être clair, ça m'allait de suivre les règles. C'est important, les règles. C'est un cadre. Une cage. À part ça, tu connais ces endroits. Ces lieux désertés où il y avait jadis des gens, qui ne sont maintenant plus que des trous dans notre monde. Il est possible que j'y sois passé. C'est un peu un meurtrier, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet héliolithe? Un lieu de rituel pour les Karja? Non, non, pas du tout. L'héliolithe est une prison. Elle est située au sud de Méridian et des Cataractes. Le nouveau roi Soleil croit à la réinsertion des criminels. Moi aussi. Dans l'obscurité d'une cellule de pierre, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était vraiment important. Tu as trouvé un nouvel associé? Je croyais que c'était toi. Je suis mon propre chemin, Neil. Un chemin qui te mène aux bandits, on dirait. Ça me va, de toute façon, j'avais pas l'intention de te demander en mariage. Je me sens jamais seul quand il y a des gens à tuer. T'es un peu un fou furieux. Un petit détour pour nous. C'est un psychopathe, ce mec. Leur vie n'avait pas c'est un psychopathe, le mec, je vous jure. Bon, alors, je vais l'éviter, lui, tiens, ma main. Oh, j'ai pris un niveau. Alors, ça, c'est quoi? Increased chance to loot skin, bones, lens and heart. Je vais prendre ça. Prochain niveau, je commencerai à attaquer pour les flèches multiples. Toi, je te laisse. Tu m'as pété la gueule 2 fois d'affilée. Trois fois peut-être? Deux fois, trois fois? Je sais pas, je compte plus. J'ai pas encore de quoi lui péter les dents. Oup! Oh oh oh! Coquinou! Ah, Méridian, c'est par là! Oh, cool! Est-ce qu'ils vont se faire attaquer? Bon, on s'en fout. J'ai dit que j'allais à Méridian. Alors... de la santé. Casse-toi! Laisse-moi! Je veux aller vite à Méridian. Passe ton chemin. Ouais, je fais ce que je veux.
Le roi Soleil Avad a libéré les gens que son père avait asservis. Ok. Petite sauvegarde. Important les sauvegardes. Cette trêve est bonne. Désolé pour l'attente, mais toutes les marchandises entrant dans la ville doivent être examinées. C'est proprement scandaleux. C'est proprement scandaleux, nous sommes d'honnêtes citoyens. Le soleil illumine ceux qui s'occupent de leur... Ouh ! Oh là là ! Mais il a tout ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Au secours ! Il me faut un Shadow Bow Hunter, donc il me faut 650. Je vais te vendre des choses. Ouais, je vais revendre mes armes aussi, ouais. Mais je vais revendre des trucs que j'ai en gros en nombre en... Par exemple ça je m'en sers pas beaucoup, je vais revendre je vais revendre le tas de 50. Ça je garde. Je vais revendre. Attends, d'abord on va racheter. Ça, je peux le racheter, du coup. Ouais, c'est celui-là qu'il me faut. Crafting. Je vais déséquiper ça et ça. Ok, un peu de maniement. Ok. Il n'y a pas de truc pour le feu. Bon, on va monter les dommages. Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire, patienter en regardant mes marchandises pourrir ? Bah du coup j'ai pas revendu mon arme.
Je vends les vertes, hein. Tant qu'à faire. Je vais garder les violets et les bleus. Ça n'a rien à voir avec nous. Qu'est-ce qui est arrivé à Ersa, bande de couillons? Oh, 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 vous êtes sympa! Qu'est-ce qui se passe ici? Olin est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Oui, mais elle a été capturée, on dirait. Ou tuée. C'est toujours les marchés. Ressources. Bah non, parce que d'après, il y a une youtubeuse qui dit qu'il existe deux lunes parce que c'est pas possible qu'au Brésil et en France on voit la même lune en même temps. Donc je pense que c'est pareil pour le soleil, il doit y avoir deux soleils. Ne bougez plus. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne peut être dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque? Mais de quoi tu parles? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattue par les Karjas de l'ombre au col de la Crête Rouge. Ersa? La sœur d'Erend a été tuée? Parce que toi, tu connais Erend? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil? Pouilleuse? Je vais te défoncer, ta putain de gueule. Allez, t'es venu à Méridian rien que pour me voir? Tu bois ces temps-ci? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire? J'ai appris pour Ersa. Je suis désolé. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire, elle donnait des ordres. Je filais droit. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Mais elle est irremplaçable. Alors, mode brain, mode strong ou mode compassion? Brain strong compassion. On est quelqu'un de costaud. Alors reprends-toi un peu et essaie de suivre cet exemple. Merci pour le soutien psychologique. Ça arrive à tout le monde de perdre quelqu'un. Pleurer n'y changera rien. T'en fais pas. Je risque plus de pleurer après ça. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village, on a entendu des explosions, dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés, ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu? Ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que c'était moi la cible. La cible? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Olin. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ridicule. Olin, c'est un bâtard. Il faut que je trouve Olin. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûr qu'Olin les a aidés. Mais je... C'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés? Une maison, à Méridian.
Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Il faut que j'aille chez Olin. Allez. D'accord, d'accord. Suis-moi. Amène-moi chez Olin, gros poivron. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. C'est une technique. Cette fille, c'est une Nora ? Ouais. Elle a centré n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Tu veux un coup de... Tiens ! Je suis pas n'importe qui, moi. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée. Et le roi, qui ne fait rien ? Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot, moi-même ! Dégagez de là, ou je vous démonte tous à coups de pied ! Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa ? Pas maintenant. Le roi Soleil. Bon, comment on fait pour entrer ? Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Essaye de ne rien casser. La barre, la porte. Tous ces trucs pour un... Voyons ce que ça cache. Hey, qu'est-ce que ça fait là ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir ? Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au céram, indestructible. C'est ce qu'on va voir. Tu surestimes les océrames, mec. Abandonne, fillette. Tu perds ton temps. Ah. On dirait une photo de la famille d'Olin. Cette caisse a l'air lourde. Eh ben, on va l'aider un peu. Perso, j'aurais récupéré les lingots, j'aurais fait plusieurs voyages pour les revendre. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles ? T'as défoncé la porte ? Il a défoncé la porte en arrivant et il m'engueule derrière ? Petit con, va. Obéis et ils vivent. Rebelle-toi. Et je leur trancherai la gorge, et laisserai leur corps pourrir au soleil. C'est pas sympa. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils ? Qui ça, ils ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou ils tueraient sa famille. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Ok, cool.
Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Mais il se disait mon ami. Sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais? Le focus, il montre l'invisible. Et celui de Lynn, c'est pareil? L'appareil est le même, mais d'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul? Où? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seul. Attends, si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Gargins de l'Ombre, ça je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi? Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Ouais, mais le temps d'y aller, c'est toujours de marche. Le col de la Crête Rouge. Je vais voir ce que je peux faire. Quelques minutes. Ok, alors là, il y a des quêtes un peu partout. D'accord. De quoi tu voulais parler? Tu es une étrangère. C'est très bien. Mais une Nora, c'est embêtant. Est-ce que tu crains les ruines des anciens comme ceux de ta tribu? Non, mais elles peuvent être dangereuses. Alors tu as peut-être vu ce que je recherche. Dans tes voyages, as-tu vu d'étranges réceptacles, agrémentés de symboles des anciens? Il s'agit de simples cylindres creux, avec des poignées en croissant sur les côtés. Si tu m'apportes 4 de ces réceptacles, appelle ça des je mugs. Te donnerai volontiers ce que j'ai en échange. À quoi pouvaient bien servir ces réceptacles? Boire de la bière. Je suis convaincu qu'ils étaient utilisés une fois combinés entre eux. Certains pensent qu'ils servaient à la cérémonie du thé. D'autres estiment qu'ils contenaient sans doute des essences et des huiles sacrées. Mais personnellement, je crois plutôt qu'ils servaient pour le rasage protocolaire de la barbe. Un pour l'eau, un pour la lotion, etc. Chaque fluide dans son réceptacle, puis appliqué solennellement à chaque étape du rite. Ça devait être... fascinant. Mais lequel servait à quel produit? Il faut que je sache, je dois poursuivre mes recherches. Tu ne crois pas qu'il servait simplement pour boire? Boire? Dans des objets de terre si finement ornés? Ne sois pas ridicule. Non, non, je suis pas ridicule, on mettait de la bière dedans. Oui, oui, faisons vite, j'ai beaucoup de travail. Oh! Ah bah en plus il en faut des spécifiques. Merde. J'ai pas les bons. Pas de bol. Thomas. Je te laisse reprendre la chasse. N'oublie que voient mes yeux fatigués. Une chasseuse sans doute. Encore partie compter fleurettes. Viens, parlons un peu ensemble. Oula, c'est pas les mêmes prix là.
Oh putain. Ah ouais. Je connais. 1400. Ça, il m'en faut une. Il m'en faut une et je vais la prendre maintenant. Ok, super. Alors, tac, là j'ai une petite quête. Hey toi, viens m'aider. Toi, avec le troisième œil, j'ai besoin de toi. L'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième œil. Et si tu l'utilisais pour m'aider? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Racontez-moi tout ça, dans les moindres détails. Un acte audacieux et professionnel. Il n'a pris que l'épée, mon bien le plus précieux. Il s'est enfui par la fenêtre sous les yeux de mon intendant terrifié. Mais sinon, son plan était parfait. Et pourquoi quelqu'un voudrait voler cette épée? Pour sa valeur. Elle est faite dans le bois poli d'une corne filante, incrustée tout du long de pierres précieuses jusqu'à... C'est bon, j'ai compris. Pardonne-moi, son importance est tout autre. Le 12e roi l'a offerte à mon frère pour le remercier de sa loyauté. Il a été tué en combat pendant la libération. Je la gardais pour mon neveu, qui est bloqué à Brunante avec les Karjas de l'ombre. Que fait votre neveu à Brunante? La plupart des anciens prêtres soutenaient le roi Soleil Dément. À sa chute, ils ont fui par peur des représailles. En tant que garde d'honneur de l'un d'entre eux, mon neveu a été forcé de les suivre. Maintenant que mon frère est mort, c'est lui mon héritier. Cette épée lui revient donc de droit. Après tout ce qu'il a enduré, je ne pourrai plus le regarder en face si je ne la retrouve pas. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Il y a de sacrés bugs qui n'existaient pas dans la version PS4. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste. Bug de texture derrière. Regarde ça, la porte. Elle change de texture. Autant que ma famille, d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Alors, en fonction de là où je suis, la texture elle charge mal. Nimp. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Où c'est que tu vois la flèche? Où est-ce qu'elle voit la flèche? Tu es folle toi. Alors attends. Ouais, je me souviens de toi. Ah. Puisse tes voyages te réjouir. Ouais, ah, ouais. Tu es tout ce que je ne suis pas. Alors attends. Quest. Forte, brave, active. Viens, discutons. Des gouttes de sang, elles mènent plus loin. Ces crapules de sérum qui se... Encore du sang. Juste... Cet endroit... Il a une odeur que je ne reconnais pas. Un genre d'épice, peut-être? D'autres traces de sang. Il s'est méchamment... La piste s'arrête là. Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. Mon patron dit qu'il a encore perdu une caravane à côté machine. Et bien sûr, il a retenu les frais sur ma tête.
Vous avez vu passer quelqu'un, épée en main ? Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang ! Ce tissu vaut une fortune ! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement ? Ça fait bien. Quand je suis allé au marché, j'ai glissé sur un fruit. Les gamins se sont moqués de moi. Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction, tout droit. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. C'est ça la paix. Elle nous a coûté bien cher. Vous avez vu passer quelqu'un par ici ? Quelqu'un qui portait une épée ? Oui, il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monte-charge. Vous le rattraperez pas. En revanche, j'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main. Non, rien du tout. Mais il courait comme un dératé. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où ? On l'a peut-être aidé. L'étal de cette commerçante ferait une bonne cachette. Je suis vanné. Les moments de calme apportent un peu de soleil aux jours sombres. Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Quoi ? Non ! J'ai rien à voir avec tout ça. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étal et interroger vos clients. Attendez ! Vous vous trompez. Mm-hmm. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que vous allez comprendre. C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire ? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincu, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok, ce serait bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau. Un moulin Zazo ? Un moulin Zao, pardon. J'espère que c'est nous. Ah ! Des éclats. Yum 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 yum. Allez. Ah ouais, minuit, ok. Bon, je fais cette quête et puis je vais aller me coucher. Tu arrives ou tu fais quoi ? Ah bah quand même. Ouh, la classe ! Un élévateur. Ce que j'imaginais quand j'étais gamin, mais c'est un travail honnête qui permet de protéger la ville. Les traîtres ont tué la capitaine Ersa. Au Céramounon, elle s'est battue pour les lions. Bon,
Bon, j'irai chercher les quêtes la prochaine fois. Je vais d'abord faire cette quête. Et puis après, dodo. Et on continuera. Hop! Ah, de l'autre côté. Hi! Je me suis mouillé les pieds. Garde tes affaires et tes armes au sec. Je saurais quoi en faire. On sait toujours quoi faire de la vie. On m'a annoncé ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien, la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin. Et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de Brunante. T'es un Robin des Bois, quoi. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur pendant que le petit peuple souffre. À qui vont les éclats exactement à Brunante ? Pas à ces crevards de la forteresse. Les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'Ombrecoin et de quoi les soigner. S'ils sont à l'ouest, ils n'avaient pas le choix. J'en sais quelque chose. Ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux. Ils sont morts de faim, encore entravés. Je suis désolé. Moi aussi. Et maintenant, où se trouve l'épée ? Ici. Je l'ai pas encore vendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je reparte ? J'aurais besoin de ton aide. Il paraît que tu es doué pour pister. Et mon associé Nassan a disparu près du rivage abrupt. Il se rendait à Brunante, avec toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassan devait retrouver son contact au feu de camp, au croisement près du rivage abrupt. Commence par là. Mais, attention, il y a plein de machines par là, ainsi que des carjas de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes, mais leurs bourreaux. Il faut se méfier des marchands au Céram. Ils sont toujours prêts à escroquer les clients. What? Bon, je vais m'arrêter là. J'ai un petit peu loin. Je vais aller backup. Je fais des réserves. Pas de poisson dans le coin. Chier, dommage.
Tant pis. Pas de poisson dans le coin. Faudra que je pêche dans pas longtemps. Parce que je commence à avoir plein de besoins de... Va falloir chasser un peu. Ok, voilà. Oh putain, j'en ai besoin des écochelles, j'en ai plus. Oh là là, il y a des tutos à faire, eh. Bon, il y a encore des trucs que j'ai pas vus. Ça, c'est le la donne qu'on fera plus tard. Voilà, voilà. Sauvegarde et zouki. Bah à demain du coup. À demain soir. Bonne nuit. Merci d'être passé. Et puis ben bon repos, bonne nuit et à demain. Voilà. À demain.